qui a quelques soucis. Dans, il y a plein de gens qui vont se reconnaître, plein de femmes qui vont se reconnaître dans ces soucis-là. C'est une jeune humoriste qui débute. Elle s'appelle Elisabeth Buffet. Je voudrais qu'elle rentre, mais qu'elle essaie de se dépêcher un peu parce que je ne sais pas, je crois qu'elle a un petit souci. Elisabeth Buffet. Elle a des petits problèmes pour marcher. Dépêche-toi, va au milieu. Ça fait mal. Ça fait mal, hein? C'est pas ce que tu crois, Dave. Non, non. Ah bon? J'y connais rien. Hein. Je reviens d'une séance d'épilation. Enfin, je reviens. Ça fait déjà 15 jours, quand même. Ah, ça me brûle. Maintenant, je sais ce que ressent un homard dans son faitout. Ah, j'ai tout essayé. Les glaçons, les rondelles de patates crues. Les glaçons, ça fond et les patates, ça cuit. Je me suis retrouvée avec un gratin dauphinois dans la... Alors, curieusement, ce qui m'a un peu soulagée, c'est la végétaline. Ah si, ça apaise. Bon, je sais, la plupart des frites vous diront le contraire. Mais faut pas croire tout ce que dit une frite. Ça commence à peine à devenir supportable, la douleur, mais ça continue à battre. Vous savez, comme quand on se coince un doigt, ça fait toutouf, toutouf. Avant, j'avais une touffe, maintenant j'ai une toutouf. Je suis allée en vacances en Corse et pour être désirable, je suis allée dès le premier jour chez l'esthéticienne du village du coin, au pif. Chez Jocelyne Colonna Esthétique. Alors avant d'aller chez l'esthéticienne, faut bien laisser pousser les poils, hein, sinon ça sert à rien. Alors moi, j'avais bien laissé pousser les poils. Ah ben plus, c'était pas possible. J'étais au maximum. La femme chien. Un tapitouf. Eh ben Jocelyne, elle s'est pas laissée démonter par le tapitouf. Jocelyne Colonna, c'est l'Attila du poil. Maintenant, je ressemble à la Corse après les incendies de l'été. Pour le maillot, j'avais demandé le modèle ticket de métro. Et ben là, je voyage sans ticket. Il me reste tellement peu de poils, je peux mettre un string avec la ficelle devant. Je peux même mettre une gommette. Ça ressemble un peu à la moustache d'Hitler. Ça fait peur à mon slip qui vient du sentier. Les pauvres. Bon, faut dire, les femmes corses sont velues. Alors forcément, les esthéticiennes corses, elles sont maniaques. Oh putain, la Jocelyne, quand elle a arraché sa bande de cire, j'ai vu aller m'emporter les organes. Que même mes trompes de Fallope allaient suivre le mouvement, comme aspirer. Vous imaginez, tous dehors, en train de pendouiller Madame, vous perdez votre charcuterie. Oh, la douleur. Mais je vais faire les polyphonies corses. Corsica. Heureusement que Jocelyne m'avait donné une bouteille de rhum à boire et un bout de bois à mettre entre les dents. Sinon, je lui aurais fait bouffer sa bande de cire pleine de poils. J'ai préféré m'évanouir. C'est plus distingué. Et puis, pendant que j'étais dans le coma, Jocelyne en a profité pour me faire les guiboles et les dessous de bras. Elle m'a même fait un cadeau surprise. Elle m'a rasé les sourcils gratis. Quand je me suis réveillée et que j'ai vu ma gueule,
J'ai cru que j'avais pris la foudre. Ça me rappelait un documentaire sur Régine. En tout cas, pour Indésirable, c'était réussi. Bon, de toute façon, je pouvais pas envisager le moindre petit coït de vacances. Rien que de m'asseoir sur une chaise, c'était insoutenable, alors sur un homme, à la peine. Il paraît qu'il faut y aller tous les mois, se faire épiler. Alors moi, je vais vous dire, l'épilation, c'est fini. Et mes prochaines vacances, je les passe au Portugal. Elisabeth Buffet. Ah, c'est les choses de la vie. Tu peux te redresser. Tiens, prends ton micro. Une petite qui démarre. Tu es où? Pour l'instant, je suis en province, mais à partir du 1er juin, je serai au théâtre de 10h. Oui. Tout l'été, les jeudis, vendredis, samedi à 20h. Voilà, les jours voilà. Où elle ne se sera pas fait épiler, elle sera voilà. Au théâtre. Merci, mon Elisabeth. Merci, Patrick. Par là-bas. Laisse le micro par là-bas, parce qu'il faut que je discute avec mon copain.